En recherchant des anomalies en Antarctique à l'aide de Google Earth, j'ai trouvé un appareil non identifié mesurant 4 mètres de longueur et 2 mètres de largeur. 6 mètres de hauteur dans une zone isolée près de l'île Rothschild en Antarctique. Il semble qu'une certaine forme d'énergie soit libérée par l'appareil, conduisant à l'émission de lumière observée. Un détail remarquable est que l'appareil est placé directement devant ce qui semble être deux murs de pierre. L'île Rothschild est une île entourée de mystères, avec des rumeurs suggérant des opérations secrètes se déroulant dans les environs. Il est intéressant de noter que Google Earth a noirci l'île en superposant de la neige simulée. Je ne sais pas ce que pourrait être l'objet, mais est-il plausible qu'il serve de générateur d'énergie fournissant de l'électricité? Pour faire fonctionner un appareil ou un système souterrain extraterrestre inconnu en Antarctique. Car il semble que l'appareil soit placé au-dessus d'une grande ouverture dans la croûte de glace, avec un générateur électrique qui joue un rôle dans une opération gérée depuis l'île,